Hello, hello. Suis contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau live avec Stéphane de Unique Forme. Bonsoir, Filou. Coucou, Chacha. Bonsoir, Studio Espace Cours. Oh, il y a beaucoup de monde. Bonsoir, bonsoir. On va attendre notre invité. Et puis après, on va démarrer cet échange comme d'habitude. Ça va, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée, on arrive en fin de semaine. Bonsoir Coco. J'espère que je lis bien les pseudos. Parce qu'en plus, je n'ai pas allumé le rond, sinon on a le rond sur les lunettes. Je trouve pas ça top. Mais je trouve que c'est pas très très gros l'écriture sur les réseaux. En tous les cas, pour moi, c'est un peu dur de le lire. Donc, on va attendre notre invité qui est ce soir Stéphane Mulon de Unique Forme, qui va nous présenter son concept, nous expliquer ce qu'il fait, depuis combien d'années, les différents parcours, mais aussi comment il le présente, parce que dans le monde du sport, bah, il y a plein plein de choses, surtout tout ce qui est fitness. Donc voilà, pour s'y retrouver un petit peu. Et il n'y a pas que du fitness d'ailleurs. Il y a aussi ce qui concerne la perte de poids, l'accompagnement pour les dos, le dos et les douleurs. Enfin voilà, on va parler de plein de choses. Donc bienvenue à ceux que je ne connais pas encore. Je vais regarder si notre invité se connecte. Je vais le voir arriver. C'est parfois un petit peu tôt, 20h30, parce que les gens terminent de manger. Mais après, c'est vrai que 21h, ça repousse les interviews assez tard. Donc voilà, je préfère me connecter un petit peu avant. Ça permet de laisser plus de temps. N'hésitez pas à inviter vos amis. De toute façon, après le live, je le repartage. Donc, vous pouvez le regarder tout le temps. Il sera également mis sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Coucou Pascal. Ça va? On va attendre que notre invité arrive. Et puis d'ailleurs, sur la chaîne YouTube Happy and Bio, vous pourrez retrouver plein d'autres interviews super intéressantes, aussi bien avec des coachs que des spécialistes, que des médecins, que voilà. Des nutritionnistes, des réflexologues. Coucou Bérangère, ça va? On attend notre invité. Ça va Bérangère? Alors, j'ose pas sortir du live pour lui expliquer. Je pense qu'il doit connaître qu'il faut venir sur le rond Instagram. Voilà. Hello Stéphane. Hop, donc je t'envoie une invitation. Toc. Alors, qu'est-ce qui me fait le truc? Oui, ça va Bérangère, merci. Ça va, ça va. Je suis contente de reprendre les lives et les interviews. C'est toujours super intéressant. Et après, ceux qui ne sont pas là peuvent les voir en replay. Donc, ça, c'est cool. Alors, il doit se connecter. Alors, il faut que tu acceptes. Je te renvoie l'invitation. C'est bon. Voilà, là je t'ai re-renvoyé. Il faut que tu cliques dessus. Ah, tu ne connais pas les lives sur Instagram. Donc je t'ai envoyé une invitation et il faut que il faut que tu acceptes de participer au live. Tu dois avoir quelque chose qui s'affiche, une invitation. Sinon, toi tu. Alors, une unique forme ne peut pas participer.
Why? Alors, là, je t'ai renvoyé. Sinon, essaie de le de faire une demande, toi. Tu as un petit bonhomme dans la barre en bas, à côté de la case où tu peux commenter. Tu peux faire ta demande de participer au live. On aurait pu faire un test avant d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude. Coucou Clémentine. Est-ce que tu trouves Stéphane? Attends, je regarde. Parce que ça peut être une question de tes paramètres. Ah, là, je ne t'ai plus dans les invités, donc. Ah, ah, ah. En bas, tu as la case commentaire. Tu as une petite caméra. À côté, et je n'ai pas d'invitation dans la petite caméra. Ça veut dire que c'est comme sur TikTok, c'est pareil. Donc là, je te renvoie. Regarde. Tu ne reçois pas d'invitation. Alors, essaie toi d'appuyer sur la caméra qui est à côté de la petite case commentaire. Tu peux commenter à l'écrit et moi, je vais accepter. Pourtant, tu n'es pas en privé. Bonsoir Clémentine. Est-ce que tu peux appuyer sur la caméra? Je regarde. Je n'ai pas d'invitation. Alors, je vais faire un test, si tu le permets. Je vais par exemple inviter Bérangère. Et Bérangère, tu acceptes comme ça va permettre de voir si ça vient de chez moi. Et après, tu redescends tout de suite. Enfin, tu acceptes même si tu mets pas, tu mets ta caméra dans l'autre sens, si tu n'es pas disponible pour qu'on te voie. Donc, Bérangère, ça Bon, marche. moi, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, ça va être rigolo. Alors, vous voyez mes Ah, chichons voilà, sur le c'est bon, canapé. Bérangère, je te Bon, fais ressortir. tu m'enlèves, parce que du coup, je ne sais même pas comment. Je ne sais pas, il faut que tu fermes toi. Tu fermes toi et tu reviens sur le live. Oh là là. C'est la technologie, hein, ça arrive parfois. Voilà, je vais accepter de Bon, nouveau. ça fonctionne. Ah, voilà. Ça y est. Ça va être rigolo. Alors, vous voyez mes Voilà, chichons sur ils sont le derrière, canapé. Bérangère. Tu m'enlèves parce que du coup je sais même pas comment. Je ne sais pas, faut que tu fermes toi. Tu fermes toi et tu reviens Ah, sur mais live. ça y est, ok. Oh là là. Attends, mais ce qui est bizarre, Ah, c'est ok. juste la technologie. Attends. Là, c'est bon. C'est bon. Ouais, super. T'as une sacrée technologie. Non, mais en fait, j'étais sur l'ordinateur et sur l'ordinateur, je n'avais pas accès à la caméra sur Instagram. Comme un peu TikTok, il y a des choses qui ne sont pas Super. pareilles. Donc, je Ouais, suis passé pareil. par le. Voilà, je suis passé par le téléphone et là, ça va bien mieux. Super. Ça va? Donc, ben, et toi, Bah, comment ça va, Valérie? bien, ravie de te recevoir. C'est Ben, chouette. moi aussi, c'est un grand Bah, plaisir et un grand bonheur. Donc, ça écoute, fait je suis plaisir. ravie. Je pense que ça va être un très bon live. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà. Ouais, Hello, hello ben, à tous ceux qui arrivent. Jérôme, voilà. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Donc, moi, je suis très contente de reprendre les lives depuis le mois d'avril et de recevoir donc Stéphane Mulon de Unique Forme qui a créé voilà son concept de sport et de bien-être Unique Forme. Et bah, comme d'habitude, ça se passe voilà toujours dans la bienveillance. Après, si vous avez des questions, évidemment, on va essayer d'y répondre entre deux et puis sinon à la fin du live. Et puis après, je vous mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo pour que vous puissiez le contacter si vous avez envie de découvrir ce qu'il fait. Et la vidéo, de toute façon, sera visible sur Instagram et après sur YouTube. Donc voilà. Et allez visiter son site et tout. L'objectif de Happy and Bio étant toujours de partager voilà des coachs qui ont les mêmes valeurs, j'ai envie de dire, que Happy and Bio, tous les cas qui vont dans le même sens. Voilà, sur le même chemin. Bah Stéphane, je vais te laisser te présenter. On va faire ça simplement. Hein, voilà. Et puis, moi, je vais lire en même temps un peu ce qui est écrit. Voilà, ce que voilà. tu fais. Très bien. Je te laisse la parole. Bah, bonsoir à tous déjà. Donc Stéphane Mulon, je suis coach personnel en sport, nutrition. En fait, j'ai une approche holistique du coaching personnalisé. Depuis, je suis coach personnel en tout cas depuis 2008, 2007, 2007. Mais je suis dans le sport depuis pratiquement toujours. En fait, j'ai commencé
à 7 ans, le sport, j'ai jamais arrêté. Et ensuite, je me suis mis au karaté, les arts martiaux. Et du coup, dans les années 90, j'ai passé le brevet d'État et j'avais 5 clubs à gérer et à m'occuper pendant quelques années. Bon, c'était presque que du bénévolat. Donc, en même temps, on travaillait à l'usine pour pouvoir manger. Mais dès très jeune, j'ai eu des responsabilités de club. Et ensuite, j'ai eu mon parcours de militaire, gendarmerie nationale pendant quelques années aussi, où j'étais dans un peloton où il fallait être en forme, en fait, pour pouvoir intervenir de façon intéressante. Et j'ai démissionné pour devenir coach personnel, en coach fitness en fait, en salle et personnel en même temps, 2007. Et voilà. Et depuis, j'ai monté ma structure et ça a évolué au fil du temps. Et maintenant, c'est vrai que je travaille beaucoup plus chez moi. J'ai une petite salle, une petite structure où je reçois les gens et en live aussi pour pouvoir comme ça coacher les gens un petit peu dans toute la France, voire même des fois à Ah, c'est l'étranger, puisque bien. je coach, ouais, je coach des gens des fois à Tel Aviv, des fois au Québec, en Espagne, enfin voilà. Donc ça permet ça. Le Covid a permis aussi cette évolution-là où les gens sont. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens ont un peu peur du coaching en visio, en pensant que c'est moins efficace que le coaching en réel. Et en fait, beaucoup de gens sont surpris de ce que le coach peut voir, de ce que le coach peut amener à distance et comment il peut corriger les gens et leur amener un programme intéressant, une évolution intéressante en tout cas. Voilà. Et puis beaucoup de coaching nutrition aussi. Et comme je disais, ça a évolué avec l'âge du coach, je le dis souvent, hein, les demandes ont évolué par rapport à mon âge et mon expérience certainement. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus spécialisé dans la perte de poids et la gestion des douleurs musculaires, articulaires ou la santé du dos, en fait. C'est ça, Donc, essayer. j'ai vu un peu sur ton site, coucou Frédéric, parce que tu as un bon parcours quand même au niveau du sport, voilà, et professionnel, mais j'ai vu que tu faisais plein de choses. Alors, moi, j'ai noté coaching sportif personnalisé, évidemment, mais aussi sur ordonnance, donc ça veut dire des personnes qui ont des problématiques particulières aussi, tu peux les encadrer. C'est une formation assez récente que j'ai terminée il y a l'an dernier. Coach sur ordonnance, en fait, c'est l'État qui a mis ça en place. C'est peu développé, mais qui permet à un médecin traitant, pour des gens qui sont en maladie longue durée, en ALD, hein, comme voilà, les cancers, les diabètes, enfin, etc. Il y a 32 maladies en ALD qui sont reconnues. Et donc, ça permet de passer par le médecin traitant qui lui prescrit des professionnels qui seraient utiles aux patients. Et suivant l'état d'atteinte de handicap, etc., eh bien, les professionnels sont différents. Et le brevet d'État, le coach sportif, il intervient sur des handicaps légers et il peut intervenir aussi en équipe avec des kinés, etc. L'objectif final de ça, du coach sur ordonnance, c'est que bien plus tard, la sécurité rembourse des séances de coaching de personnes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a quelques mutuelles qui remboursent quelques séances. Donc, ça reste peu utilisé. Et c'est dommage parce que c'est vrai que, enfin, tu le sais comme moi, qu'accompagner les gens dans des longues maladies par le sport, c'est vraiment quelque chose d'efficace, voire même de magique. Pour moi, en tout cas, ça a été magique pour mon expérience Et personnelle. puis j'ai envie Donc, de dire, c'est un encadrement quand même différent. On est obligé de prendre en considération un certain nombre de facteurs et de points. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, on voit bien quand on veut commencer une discipline sportive, quelle que soit la discipline, souvent il est demandé en début d'année, on voit ça souvent au mois de septembre, quand les gens, on va dire, prennent à la rentrée, on va prendre le type classique, ils demandent une ordonnance. Mais c'est vrai que des gens qui ont des problèmes même de dos, d'articulation ou plus grave, bah, c'est une autre démarche. On ne fait pas le sport de la même manière. Donc, c'est très, très Moi, important. c'est pareil, je demande toujours un certificat médical, quel que soit le moment de l'année, à la personne avant de la coacher. Et puis voilà, ça me permet après de savoir. Après, je fais remplir un questionnaire aussi très précis sur tout ce qui est problème articulaire, musculaire, ostéo-articulaire, mais aussi les problèmes de diabète, de cholestérol, etc., pour adapter justement l'exercice physique, les efforts physiques ou même le programme carrément. Et voir après des conseils alimentation, etc., qui rentrent en jeu. Quand je coach des gens juste pour le sport,
Il y a des conseils nutrition, mais ça reste peu précis. Et après, il y a les gens qui veulent un coaching nutrition et sport ou juste nutrition. Là, c'est vraiment très précis. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Bilan suivi nutritionnel, tu as marqué sur ton site. Donc là, c'est plus précis. Bonsoir, bonsoir. Obtenir un ventre plat. Ça, voilà. On sait que ça intéresse aussi beaucoup de monde, surtout avant l'été, mais j'ai envie de dire. Alors, normalement, c'est toute l'année, mais voilà, là, on est dans la période. Qu'est-ce que j'ai vu? Perte de poids, ben, ça intéresse la majorité des personnes, hein. Ne serait-ce que pas que pour un aspect esthétique, c'est important quand même, mais déjà pour un bien-être au quotidien. Oui. Et puis santé, dos, articulation, enfin, tu fais, voilà, t'as un bon panel déjà. Ça, c'est, en fait, ça, c'est des packages que je fais. On peut prendre après que du coaching comme ça, avec un objectif particulier, mais ça, c'est vraiment des packages parce que j'ai fait ça parce que quand on dit ventre plat, par exemple, on peut pas faire que du sport pour avoir le ventre plat. Il faut aussi une adaptation. Voilà, faut aussi une adaptation de l'alimentation. Quand on veut perdre du poids, c'est bien de faire du sport, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi adapter l'alimentation. Et adapter l'alimentation, ça c'est ce que je veux aussi que les gens se comprennent, c'est que c'est pas des choses restrictives, c'est pas des choses difficiles souvent, c'est pas impossible comme le sport d'ailleurs. On peut, enfin voilà, ça reste simple. Et moi, mon objectif, en tout cas quand j'accompagne les gens, mais aussi avec ce que je fais sur TikTok ou d'autres réseaux, c'est de vulgariser la chose, c'est-à-dire de montrer qu'on peut faire des choses et que chaque chose que l'on fait, même petite soit-elle, c'est efficace et c'est utile. Donc, on avance petit à petit, en fait. Chacun a son rythme. Parce que la difficulté, c'est pour ça que vraiment j'avais envie de te faire cette interview parce que moi, je vais vous donner un exemple précis. Bon, j'ai fait beaucoup de sport, donc enfin voilà, c'est du coup c'est. Mais je voulais reprendre du fitness et souvent j'ai rencontré plein de femmes. On en parle quand on fait des ateliers culinaires, qui ont envie aussi de faire le fitness. Et l'image qu'on a du fitness, par exemple, pour prendre celui-ci, c'est vraiment le fitness type à l'américaine. On court. Et enfin, la plupart des gens, c'est bah non, c'est trop compliqué. S'il y a du surpoids, c'est compliqué. Si... Alors là, en plus, on voit quand même des personnes plus ou moins jeunes. Il faut être honnête, on voit le rythme, on se dit bon, c'est pas la peine en cardio. Alors que vraiment, j'ai découvert à travers tes cours, en l'occurrence, je le dis aux personnes qui sont là sur TikTok, parce que tu donnes quand même des cours gratuits, donc tu donnes de ton temps gratuitement. Enfin, je veux dire, voilà, c'était bien pendant le Covid. Je l'ai fait aussi au niveau alimentaire, mais c'est quand même très généreux. Va te continuer à le faire. Et parce qu'à côté, il faut bien travailler aussi et manger. Donc, et les cours, malgré tout, sont quand même adaptés. Moi, je les ai pris en cours de route. Donc, alors, on les fait comme on peut, mais ils sont adaptés. Et ça, c'est important. Oui. Ben, c'est l'objectif, en tout cas, des lives. Même moi, quand je travaillais dans les grandes salles parisiennes, j'essayais d'adapter, enfin, d'avoir des options pour tous les gens. Parce que le cours collectif, la difficulté du cours collectif, c'est qu'il est collectif. Donc, on peut pas non plus adapter à chacun. Et c'est pour ça que c'est moins efficace qu'un coaching perso. Parce que, ben, c'est général, quoi. Mais on peut tout de même donner des petites options, même dans les lives. Tu vois, des fois, je donne des options plus faciles pour ne pas sauter, par exemple, parce que je sais que les femmes, parfois, certaines femmes n'aiment pas sauter, à juste raison d'ailleurs, par rapport au périnée, etc. Donc, je donne toujours des options pour les débutants, pour ceux qui débutent. Et le but aussi des lives, comme certaines vidéos que je mets sur YouTube, c'est de travailler surtout sur un temps de travail. Et chacun, dans ce temps de travail, il met l'intensité qu'il veut, s'arrête quand il veut, et reprend quand il veut, etc. Et c'est l'objectif, en tout cas, que tout le monde puisse bouger. Ça, c'est sûr. Je trouve ça vraiment adapté que tu puisses donner plusieurs options. Et je sais, comme nous, enfin, comme moi, en sophrologie, souvent on dit, alors ça ne plaît pas au haut niveau, mais je le comprends. Hein. Normalement, on ne s'adapte pas au plus fort, mais on s'adapte au plus faible, même si on fait une sophro-balade. Parce que, voilà. Ou alors, il faut aller à un autre cours. C'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre, mais on est obligé. Sinon, y a des gens pour lesquels c'est difficile. Et c'est ça qui est important et que je trouve intéressant dans tout ce que tu proposes, en fait. En plus de l'aspect nutrition, tu proposes, j'ai vu aussi, alors, je donne quelques titres, même si moi, j'aime pas les titres, mais je trouve que c'est riche d'avoir plein de savoir, ce qui est le cas pour toi. Bon, tu es diplômé. Voilà, d'une école de training, etc. J'ai vu prof de karaté également. Donc, ça t'est court. Mais conseiller aussi, c'est très intéressant parce que, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu sur ton site holistique. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est de façon globale, finalement. Conseiller en plantes sauvages et remèdes naturels. Si tu veux nous en parler un petit peu. Oui. Ah ben, ça, j'ai suivi une formation, en fait, de cueilleur sauvage. Une formation très complète. Ça s'appelle le chemin de la nature, sans vouloir faire de pub. Mais elle est très complète, où il y a de la biologie, il y a plein de choses très, très intéressantes. Et du coup, avec ça,
Moi, déjà, depuis très longtemps, depuis tout jeune, je m'intéresse aux plantes, je m'intéresse aux remèdes naturels avec mon métier, puis le fait de pouvoir durer dans le sport aussi grâce aux plantes et au naturel. Et donc, avec ça, en fait, j'essaye d'aider les gens aussi. Quand c'est une recherche de perte de poids par des plantes diurétiques, par exemple, quand c'est des douleurs articulaires, des inflammations par des cataplasmes avec des plantes, mais des plantes en plus, moi j'essaye de leur donner toujours des plantes super simples à trouver. En ce moment, par exemple, je parle beaucoup du pissenlit, la lampe commune, la pâquerette qui est superbe, toutes ces plantes qui sont du printemps, et on a tout ça sous la main, sous le pied d'ailleurs, il suffit de se pencher, de ramasser, et puis de s'en servir. Et chaque plante a énormément de bénéfices. Donc les remèdes anciens naturels, il y en a plein qu'on connaît ou qu'on a oublié, mais qui sont super intéressants. Hein, l'oignon pour la fièvre, le rhume, enfin le chou pour les inflammations, les douleurs du dos, par exemple, les feuilles de chou en cataplasme, l'argile verte, etc. Et donc moi, quand j'accompagne les gens, souvent je leur donne des petits guides comme ça, avec des plantes faciles à trouver, faciles à utiliser, des tisanes à boire régulièrement également pour drainer, etc. etc. Oui, en plus, tu expliques comment on les fait, les tisanes. Alors moi, je dis sur TikTok, mais c'est aussi sur Instagram. Tout à fait, Laetitia. J'essaie de lire en même temps les commentaires, Laetitia Mulon. Enchantée. Et donc, c'est vrai que je trouve intéressant parce que tu expliques comment l'utiliser. Parce qu'on ne sait pas toujours. C'est un peu comme les orties, comment les cueillir, comment les faire bouillir. On peut faire une soupe d'ortie, on peut faire une tisane. Mais voilà, il faut juste connaître un petit peu les différentes étapes qui finalement sont simples. C'est ça. Ce qui est important surtout, c'est de connaître les dosages. Parce que ce qui m'énerve le plus, je m'énerve rarement, mais ce qui m'embête le plus, c'est quand j'entends dire que les plantes, c'est pas efficace ou que les plantes sont dangereuses. En fait, il y a deux façons de voir la chose. Donc, les plantes dangereuses, il y en a très peu. Je crois que c'est 1% de la totalité des plantes qui sont venimeuses, enfin, qui sont vraiment dangereuses pour l'homme, voire mortelles. Donc, c'est très peu. Et pas efficace, c'est parce que on n'utilise pas les bons dosages. C'est-à-dire boire une tisane comme je bois là ce soir en sachet, ce ne sont pas des tisanes qui vont soigner quelque chose. C'est des tisanes plaisir, le goût est bon, c'est sympa, voilà. Mais après, quand on veut utiliser les plantes, il y a vraiment des grammages à utiliser pour que ce soit réellement efficace. Donc ça, j'aime bien expliquer aux gens, voilà. Et parfois, ça paraît énorme et ça demande beaucoup de quantité. Mais si on veut que ce soit efficace, une plante, c'est comme ça qu'elle doit être utilisée, par exemple. Il y a certaines plantes qui sont également et qui peuvent enlever les vertus d'une autre. Par exemple, une fois, on m'avait dit de prendre de l'ortie, éviter la spiruline pendant les algues, etc. C'est des petites choses à connaître, en fait, pour connaître comment on les utilise. Les interactions entre plantes, connaître aussi des contre-indications suivant certaines personnes, les asthmatiques, etc. Et ça, j'ai envie de dire, avec les plantes encore, les plantes brutes comme ça, c'est peut-être un peu moins puissant, mais surtout avec les huiles essentielles, faut faire très très attention. Complètement. Parce que l'huile essentielle, en fait, elle n'a pas de barrière. Elle traverse la peau, les organes, les os, donc ça n'a pas de barrière. Donc c'est vraiment des choses à utiliser avec parcimonie. Elles sont concentrées, c'est vraiment l'extraction de la plante. Donc du coup, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est déconseillé aux femmes enceintes, aux enfants, des cas particuliers. C'est quand même beaucoup plus fort en dosage. Et ce qui est un peu désolant, c'est que ce soit vendu comme ça en vente libre, alors que ce sont des choses avec des huiles essentielles, on peut vraiment s'empoisonner ou se brûler. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé dans les débuts que j'utilisais, je me suis brûlé au deuxième degré la peau avec la Golterie, l'huile essentielle anti-inflammatoire. Donc ça aussi, ça m'a donné une expérience à partager aux gens en disant faites attention avec les huiles essentielles. Mais en même temps, c'est super efficace. Moi, je me soigne qu'avec ça pratiquement quand l'hiver j'ai un rhume et j'en ai pratiquement. Le titri, toutes les huiles, etc. Mais après, effectivement, il faut avoir un minimum de connaissances. Au pire, c'est vrai que les personnes peuvent demander même à leur pharmacien. Ils connaissent très bien les huiles essentielles. C'est quand même important. Bien sûr, se renseigner, Internet aussi, mais faut aller sur les bons sites. Et puis, le pharmacien, c'est le dernier herboriste de France. Les dernières personnes qui ont le droit de donner des conseils en herboristerie, notamment. Complètement. Voilà. Et alors après, j'ai vu aussi sur ton site, donc créateur du Wood Training et du SSD Concept. Ah oui. Alors ça, c'était à l'époque… Enfin, le Wood Training, c'était à une époque où je faisais des cours en forêt. Voilà, je réunissais les gens en forêt comme des bootcamps
comment on appelait ça, mais moi j'utilisais en fait voilà du matériel abandonné dans les garages, des vieux pneus de voiture, etc. On faisait plein d'exercices avec ça, et ça a duré pendant 3 ans. Voilà, j'amenais les gens et de tout niveau. Ce qui était bien dans ce concept, c'est qu'il y avait, j'avais 20-30 personnes à chaque fois, et il y avait des gens qui n'avaient jamais couru par exemple, et ben ils se sont mis à courir petit à petit grâce à l'aide du groupe, grâce à des exercices que je mettais en place, etc. Et le SSD, ben ça c'est un cours spécial santé du dos, SSD spécial santé du dos, que je faisais dans les salles de fitness. Donc j'avais mis en place plein d'exercices que je m'étais inspiré en fait de différentes méthodes, du Pilates, du yoga, de la méthode Feldenkrais, du Wu Tao, enfin plein de méthodes que j'avais, où j'avais pris les meilleurs exercices pour le dos d'après moi en tout cas, et j'enseignais ça aux gens. Et donc j'avais créé tout un process pour améliorer la santé du dos, retrouver la mobilité du bassin par exemple, renforcer, voilà. Et donc j'ai fait ça à l'Aqua Boulevard de Paris par exemple, une grande salle de parisienne, etc. Et le plaisir, c'est que au début il y avait peut-être 10 personnes, et après la salle était pleine, quoi. Il y avait plus de 100 personnes. Pour le dos, après ça concerne tout le corps, mais le dos c'est vraiment, on va dire, la problématique du siècle. Après il y a cette phrase, on en a plein le dos. Après ça peut être lié à d'autres choses, c'est bien émotionnel, enfin voilà, des un peu psychosomatique, mais quand même la douleur physique elle est présente. D'où quelquefois des séances d'ostéopathie ou même pourquoi pas de kiné. Mais du coup je suis pas étonnée que tu puisses avoir eu plein de monde, parce que pour le dos, ça touche un gros pourcentage de personnes, quoi, pour le coup. Ne serait-ce que mal savoir faire des mauvais mouvements, enfin plein de choses. Et en plus, il est normal quelque part d'avoir mal au dos physiologiquement, parce que l'être humain en fait, il s'est relevé trop tôt dans son évolution, et musculairement, on a tous les muscles forts qui sont devant pour la marche en position quadrupédique, si tu veux. Et tous les muscles derrière, c'est des muscles qu'on appelle phasiques, c'est-à-dire qui ont tendance au relâchement, comme le triceps, comme les muscles du dos, comme les fessiers. Ça, c'est des muscles phasiques. Et devant, ce sont des muscles toniques, les pectoraux, les biceps se relâchent rarement avec l'âge, même avec l'âge, du coup. Et c'est pour ça que on est tous sujets à avoir mal au dos si on ne le renforce pas depuis, si on fait pas de sport, par exemple, ou si on le renforce pas pratiquement au quotidien, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire du sport, c'est important de renforcer de son dos. Et si on travaille, si on fait des exercices de musculation, eh bien, il faut plus travailler en musculation le dos que la face avant du corps. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, je comprends mieux, je me permets pour le côté personnel, les blocages de dos avec une ceinture abdominale bien développée, je comprends mieux maintenant. Mais effectivement, on parle beaucoup de lumbago, en fait. Lumbago, je ne sais plus comment on dit, lumbago. Lumbago. Mais tout le temps, toutes les personnes qu'on peut rencontrer, il y a des soucis. Parce qu'on porte quand même des charges au quotidien. Ça peut être les cours, ça peut être... Il y a toujours des gens qui ont eu des blocages de dos, quoi. Oui, oui. Des petites choses signifiantes, La charge, en soi, ça ne serait pas un problème. Parce que les muscles du dos, même si on ne les entraîne pas, ont une capacité de force. Et la colonne vertébrale a des cambrures pour résister. Ce qui pose problème dans notre société, c'est la posture assise trop longtemps et en permanence, la voiture... Et même si on remonte plus loin, c'est aussi l'invention de la chaise, en fait. Depuis qu'on a inventé la chaise, on a plus de problèmes de dos. Les Asiatiques qui ont découvert la chaise beaucoup plus tard, qui travaillent beaucoup accroupis, ont beaucoup moins de problèmes de dos du fait de leur posture accroupie. Et donc, si on est surtout assis toute la journée dans sa voiture, dans les transports ou au bureau, eh ben, c'est là où il faut absolument pratiquer du sport, absolument se bouger et absolument renforcer son dos. Mais ça peut être renfort, ça peut être étirement, ça peut être aussi du travail respiratoire, parce que la respiration va mobiliser les muscles du dos et les vertèbres. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. Et l'alimentation, mais ça, c'est pour le côté anti-inflammatoire. Oui. Voilà. Ouais. Pour éviter les inflammations. Oui, tout à fait, Bérangère, incroyable. Non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu racontes au niveau du dos, même si effectivement, on a envie de penser de façon globale, comme tu le dis, holistique, c'est le corps entier. Et j'ai même envie de dire, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit qu'il faut arriver à, ce qui n'est pas toujours évident dans notre monde moderne, mais essayer de faire au mieux. Mais là, le dos,
quand même, voilà, avec beaucoup parlent de la Kundalini, etc. Toute cette colonne vertébrale, c'est ouais. super intéressant parce que plus on avance dans l'âge, plus bah, c'est très très problématique hein, quand on est bloqué, quand on ne peut plus marcher correctement, quand on reste couché, effectivement. Et c'est ouais. vrai que du coup, ça voudrait dire quoi ? Que l'être humain devrait. Alors, est-ce que c'est un manque de sport par rapport justement, on en parlait hier. On va partir très très loin, mais on en reparlera en privé d'ailleurs pour ton peut-être projet de deuxième livre, parce que voilà, j'ai quelque chose à t'apporter aussi sur les cueilleurs-chasseurs. Est-ce que parce que l'homme avant faisait des kilomètres et des kilomètres, on le sait, normalement on devrait faire 10, 20, 30 kilomètres par jour, l'être humain ne le sait pas, mais en fait on devrait bouger autant que ça, ce qui n'est plus le cas, on est assis sur notre chaise. Est-ce que c'est dû à ça ? Et du coup, est-ce qu'on devrait, tous les êtres humains devraient faire un minimum d'étirements et d'exercices pour le dos, même j'ai envie de dire chaque jour ? Même si c'est pas longtemps. Mais oui, carrément. Mais c'est carrément dû à ça. Quand à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait non seulement la marche, mais aussi on était amené à grimper aux arbres, on était amené à bouger son corps dans tous les sens, ce qu'on appelle la musculation fonctionnelle, en tout cas l'utilisation fonctionnelle de son corps. Eh bien oui, en fait, maintenant, depuis qu'on est aussi longtemps assis, aussi souvent assis, en fait, la position assise, elle désinhibe notamment les muscles des cuisses devant, les fessiers et les lombaires. Donc, elle désinhibe carrément le muscle, c'est-à-dire que même si tu te redresses parfois, même si tu bouges, ton muscle est désinhibé, il n'a plus d'influx nerveux, donc il va se relâcher de toute façon. Donc, il faut bouger, il faudrait bouger tous les jours beaucoup plus. Et il y avait bien moins de problèmes de dos dans les années où on travaillait un petit peu plus en extérieur, etc., où on bougeait un peu plus. Il y avait peut-être des problèmes dus à la fatigue ou aux mauvaises positions également, mais il y avait moins de problèmes de dos comme on peut avoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire en ne faisant pas grand-chose, on va se bloquer le dos en se relevant du canapé, par exemple, ou en sortant de la voiture, ou on a mal au dos en permanence parce qu'on a un relâchement musculaire. Parce que la mauvaise posture dépend souvent d'une mauvaise musculation ou d'un mauvais renforcement musculaire. C'est pas terrible, ça fait vraiment partie des problématiques, j'ai envie de dire des maladies modernes, on va appeler ça maladie, mais ouais. Parce que effectivement nos grands-parents, arrière-grands-parents, bon, voilà, il y avait des décès plus jeunes, mais ils avaient aussi d'autres métiers qui étaient plus durs physiquement. Hein. Nous, on a quand même l'informatique. Je veux dire, aujourd'hui, même si la vie n'est pas évidente, il y a des jobs qui sont quand même cool, faut dire ce qui est. Et c'est vrai qu'eux pouvaient avoir des problématiques de physique, de santé, mais qui étaient liées quand même à des emplois pénibles. Il fallait le reconnaître. Et là, c'est vrai que, comme tu dis, il suffit quelquefois, mais un mouvement. Moi, la première fois où je me suis bloqué le dos en 2018, donc c'était le muscle psoas. Je ne connaissais même pas ce nom. Je l'ai découvert et après à travers tes vidéos. C'est en portant le chat, comme il n'était pas lourd, notre chat, par terre. En s'accroupissant, en portant. C'est quand même terrible. Et je vois tout le monde dire « Oh, je me suis relevé, je suis bloqué. » Et c'est constamment. C'est une vraie problématique. Oui, déjà parce que lorsqu'on se penche en avant, les disques intervertébraux, la charge, elle est multipliée par 200, 300, je ne sais plus combien, il y a de tonnes parfois, suivant la charge que l'on va porter. Donc déjà ça, c'est sûr. Le fait de se plier aussi, ça va écarter les vertèbres. Entre les vertèbres, on a un disque vertébral. Si on se relève trop vite, ce disque, il peut être propulsé vers l'arrière et on peut le pincer, ce qui va déclencher une hernie discale ou une sciatique. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, les muscles qui ne sont pas assez forts, voilà, qui demandent à être renforcés. Mais tu vois, tu parlais des anciens métiers, etc. À chaque fois, je pense à… J'ai mes deux grands-mères qui sont encore en vie. J'en ai une qui a 105 ans et une qui en a 97 ou 96. C'est génial. Qui sont chez elles, dans leur maison, et qui sont toujours actives. Il y a une de mes grands-mères qui s'est cassé la jambe dernièrement et l'épaule en tombant dans l'escalier. Personne ne pensait qu'elle allait remarcher. Elle remarche, elle est chez elle toute seule. Mais ces gens-là, moi, à chaque fois, je me disais, mais ils ont vécu des guerres. Ils ont vécu le manque alimentaire, ils ont vécu des choses difficiles, et ils sont, parce que c'est pas les seuls, hein, j'en connais plein de cette génération, ils sont encore en forme. Saisons, et même d'autres saisons, pardon de te couper, parce que exactement. Les saisons sont certainement plus rudes que maintenant. Et c'est ça. Et des métiers plus difficiles, et ils sont toujours en bonne santé, en pleine forme. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à nous, où on voit que l'on vieillit plus tard, mais qu'on vieillit en moins bonne forme tout de même, avec des décès plus tôt quand même, malgré tout. Et donc, je me suis posé la question, et je pense que ça vient réellement déjà du fait que l'air, l'alimentation était bien meilleure autrefois, qu'il y avait parfois des périodes de restriction alimentaire, parce que ce qui nous tue le plus, c'est le trop-plein de nourriture et pas le trop-peu, et qu'il y avait aussi beaucoup plus d'activité physique. Il y avait la voiture commençait à peine quand elles étaient dans leur jeunesse, donc beaucoup de marche à pied, beaucoup de vélo. Il y avait beaucoup de métiers plutôt physiques, etc. etc. Donc, ça prouve bien qu'il faut qu'on se remette à bouger beaucoup plus.
Voilà, à Oui, bouger, puis bouger, bouger. ça amène même à d'autres problématiques. Je veux dire, on oxygène beaucoup plus son corps, etc. Ça circule mieux. Enfin, tout est lié Oui, finalement. c'est Tout est ça, c'est ça. Et puis, si on a une belle posture, bien fière, on va aborder mieux la vie, mieux les problèmes, on va avoir une meilleure voix, enfin, une meilleure prestance. On va donc, voilà, ça va rentrer aussi dans tout ce qu'on parlait de psychologique, dans le positif, dans l'optimisme et dans, voilà, dans toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est super important. Ouais. C'est sûr, mais il ne faut pas non plus se dire qu'il, ouais, on disait qu'il faut bouger tout le temps, mais. Il y a des choses toutes simples à faire, hein. Par exemple prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Enfin, c'est des choses basiques que je vais dire, mais des fois on l'oublie. Ou alors on a une course à faire, le village est à 1 km, et ben on y va à pied, et on revient. Et on parlait des douleurs de dos, mais il y a aussi d'autres problèmes qui sont de plus en plus importants, c'est les problèmes d'arthrose. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'on met l'arthrose sur le dos de l'âge, mais l'arthrose n'est pas obligatoirement liée avec l'âge. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on est obligé d'avoir de l'arthrose. Si on a un bon travail physique, enfin un bon entraînement physique, une bonne activité physique et une bonne alimentation, on peut passer à côté de l'arthrose. Non, Ou si on a un peu c'est d'arthrose, on peut alimentaire. la ralentir. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quartile, parce que ça aussi, bon, je dérive un peu, mais les médecins, quand tu as de l'arthrose ou quand tu as mal quelque part, ils te donnent. Le meilleur sport d'après eux, qui est la natation. Tu vois, ah, il faut faire de la natation, c'est le meilleur sport. Eh bien non, la natation, et surtout quand on est une personne âgée ou qu'on prend de l'âge, la natation n'est pas la meilleure discipline parce que le cartilage, nos cartilages articulaires ne se nourrissent qu'à la pression. Ce sont des éponges en fait, et ils prennent leurs nutriments que quand on vient presser l'articulation. D'accord. Quand on nage ou quand on fait des sports portés comme le vélo. On va moins mobiliser nos cartilages, on va même pas les nourrir du tout. On va nourrir les muscles et les tendons, on va les renforcer, mais pas les cartilages. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment du travail, soit de la marche, soit de la course à pied, soit du renforcement musculaire à la maison, tout basique. Mais il faut, voilà, travailler avec la gravité, la pesanteur pour que le cartilage se nourrisse sous la pression. Donc, ça, c'est important de le savoir. Ça va entretenir nos cartilages. Et si on a un peu d'arthrose qui se met en place, eh bien, ça va la ralentir Ah, énormément. c'est vraiment intéressant. Vous voyez, il a toujours plein de choses intéressantes à raconter. Hein. C'est poussé. Mais en parlant de marche, effectivement, soit les personnes peuvent marcher à l'extérieur, si elles ne peuvent pas. Moi, je vois ma maman, elle a 67 ans. Elle a pris, bon, elle bouge à l'extérieur, mais elle a pris aussi un tapis de marche. Alors, je ne sais même pas si c'est toi d'ailleurs qui as fait une vidéo, c'est possible, ou si je l'ai vu ailleurs. Ou d'ailleurs, quand on marche, c'est important de taper bien le pied. Alors, je me dis, de ce côté-là, j'ai pas de souci, je fais tellement de bruit quand je marche, parce que finalement, le fait que ce soit tapé au talon, ça remonte. Alors, je sais plus En si fait, tu le sens, enfin voilà, tu c'est peux pas taper l'expliquer, le toi. pied, mais c'est bien attaquer le sol avec le talon. Il y a une technique de Qigong comme ça, où on monte sur la pointe de pied, on se laisse retomber sur les talons, parce qu'il est prouvé que en fait, le talon, ça fait comme une pompe, et ça va Vers le cœur. améliorer le système, voilà, le système cardiaque, en fait. Ça améliore le travail du cœur. Donc, c'est pour ça que la marche est super importante en attaquant le sol avec le talon. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, oui, un tapis de marche peut être une option. Il y a aussi les petits steppers qui existent. Il y a même des Ça, petits c'était très bien, vélos qu'on ça, je peut. trouvais à une époque, il y en avait beaucoup, c'était très très bien. Ben En ouais, plus, il parce n'y avait pas l'eau, ça permettait d'apprendre l'équilibre aussi, le voilà, fait d'être. exactement. Et puis, ça permet, en fait, la marche aussi, elle fait bouger le bassin au bas comme la course à pied, mais en fait, tous ces mouvements. Et ce mouvement du bassin, moi, je le faisais justement dans mon spécial santé du dos, où je refaisais bouger le bassin. Ça va venir travailler sur les vertèbres lombaires, ça va venir travailler sur les muscles lombaires, ça va les assouplir tout en les renforçant. Et ça redonne souvent, c'est un manque de mobilité aussi du bassin qui peut donner mal dans le bas du dos, quoi. Donc, ouais, la marche hyper intéressante pour le cœur et pour le dos. Ouais, tout Et à c'est fait. vraiment intéressant parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas du sport pour faire du sport, ça va bien plus loin dans la démarche et la compréhension de soi-même. Et d'ailleurs, quand tu coaches, est-ce que justement, j'en discutais récemment, pardon, alors je pense que tu prends l'ensemble de la personne, mais effectivement, on est tous différents. Il peut y avoir des personnes avec des longs muscles, on a des os différents, et tout ça, c'est une configuration qu'il faut. Enfin, un peu, j'en parlais avec une formatrice de yoga avec qui je travaille, qui expliquait certaines personnes vont pouvoir faire des exercices, pas d'autres. Voilà. Et ça, il faut Carrément. prendre. Je voulais savoir un peu comment tu fonctionnais, parce qu'effectivement, on ne peut pas tous. Ce n'est pas une question de niveau, là. C'est une question aussi physiologique. Tout à fait. Eh ben, alors moi j'ai parfois des couples en coaching, tu vois. Eh ben, je ne fais jamais ou rarement la même séance pour les deux personnes. Parce que
Voilà. En fait, ça se fait par le temps. Sur la première séance, je vais voir les exercices de base avec la personne, ce que je pense bon pour elle. Et puis, je vois comment ils sont exécutés. Et bien sûr, il y a des exercices que certaines personnes ne peuvent pas faire par manque de souplesse, par manque de force au début. Après, ça peut s'améliorer. Mais ben ouais, c'est le problème aussi de voir plein de vidéos, notamment sur les réseaux sociaux de muscu. On te dit il faut faire du squat, la flexion de jambe avec une barre pour muscler les cuisses. C'est le meilleur exercice au monde. Sauf qu'il y a des gens qui sont trop raides des chevilles ou des genoux ou du dos et qui vont se blesser à faire ce mouvement qui est pourtant hyper intéressant pour muscler les cuisses. On préférera pour ces gens-là, par exemple, faire des fentes, enfin d'autres mouvements de sport adaptés. Et oui, moi, j'adapte tous mes exercices. Hein. Et des fois, je prévois même une séance pour quelqu'un. Et au milieu de la séance, je dis, bon, attends, on arrête tout parce que ça va pas, les exercices. J'ai beau essayer de trouver les bons mots et les bonnes explications, parce que parfois, ça vient du coach aussi qui explique mal. Mais quand tu as essayé tout plein de chemins, tu vois que la personne n'arrive pas à faire le mouvement, il faut trouver un autre exercice pour pouvoir renforcer le muscle que l'on veut renforcer sans qu'elle se fasse mal. Donc oui, la morphologie est hyper importante, la biomécanique également. Et ça, c'est vraiment individuel. C'est vraiment individuel. C'est bien parce que... Parce qu'en fait, on parle souvent de coaching, mais tu sais bien que ce mot-là, il est repris partout. Bah, c'est un peu comme l'alimentation, le bien-être, hein. C'est un peu galvaudé. Mais finalement, tu fais du sur-mesure. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Mais c'est parce que le coaching personnalisé, c'est bien personnalisé. C'est ça ce qui est très important. Si c'est pour faire du coaching comme tu fais en salle, un cours collectif ou comme je fais sur mes lives, bah non, c'est pas comme ça. Moi, je fais pas, c'est pas comme ça que je vois. C'est vraiment un service que j'apporte aux gens, mais c'est un service personnalisé. Avec voilà. un c'est objectif comme ou non. Certainement un objectif ou non, selon ce que désire la personne. Ben oui. Les gens, je leur demande, ils viennent avec des objectifs. C'est, voilà. Même s'il est petit, il y a toujours un petit objectif derrière. Et pour l'alimentation, je fais la même chose, hein. Je me base sur déjà des formules poids, âge, taille, etc. Mais ensuite, après, suivant les goûts, la facilité de cuisiner ou non, le fait de manger à l'extérieur ou à domicile. Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte pour que le programme alimentaire, il soit réalisable, il soit facilement suivable par la personne, tu vois. Si c'est pour faire aussi des programmes que personne ne suit, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que ça peut arriver parce que effectivement on est dans une société on va dire du paraître, hein, oui. Mais moi je mets pas tout négatif sur le paraître parce que je trouve que c'est normal de prendre soin de soi. Voilà. Quand même c'est logique, il faut pas être hypocrite de se trouver plus joli homme ou femme que moins bien, plus musclé, mieux dans sa peau, c'est normal, ça fait partie du bien-être et je veux dire on n'est peut-être pas venu là dans l'univers pour être mal, donc finalement c'est une bonne chose. Mais à partir du moment où c'est jamais dans l'extrême, comme on le dit, mais est-ce que tu as déjà eu des clients ou des clientes qui sont venus te voir et qui te demandent des objectifs et que tu es obligé de dire non, ça c'est pas possible en temps de temps, ça ce n'est pas faisable? Ah oui, non mais ça c'est... Oui. Alors, des objectifs non réalisables, non. Enfin, le corps, c'est une formidable machine à transformation. On peut faire ce qu'on veut du corps pratiquement. Si la personne est motivée, si elle ne se ment pas à elle-même et si elle ne ment pas au coach, ça m'est arrivé des gens qui se mentaient à eux-mêmes en fait en me mentant, tu vois. Mais après, des objectifs dans le temps, réalisables dans un temps imparti, oui, ça m'arrive régulièrement quand on me demande de perdre 10 kilos en 2 mois ou en 1 mois parce qu'il y a le mariage au bout, parce qu'il y a on va à la plage, c'est non, c'est pas possible. Bien sûr qu'on peut faire maigrir les gens, même en 15 jours, tu peux faire maigrir n'importe qui. Mais quel est l'intérêt, puisque ça ne sera pas physiologique, et du coup, la personne reprendra du poids, ou ça va créer des carences, ou ça va créer des problèmes sur le long terme. Donc non, oui, bien sûr, J'ai envie de dire que tu engages ta responsabilité en plus. Même si un coach a juste la nécessité de moyens et pas la nécessité de résultats, tu vois. Mais bien sûr, et puis ça, oui, ma responsabilité, ma crédibilité, et puis mes valeurs qui ça, sont… Je ne savais pas si tu allais le dire, mais j'allais le rajouter à la fin, surtout tes valeurs. Oui. Moi, je fais ce métier pour aider les gens, en fait. Je ne fais pas ce métier pour me glorifier, moi. Mon ego, il n'entre pas en jeu dans ce métier-là, en tout cas. Et… on parlait des objectifs. Oui, ça m'est même arrivé parfois d'arrêter des coachings avec des personnes parce que soit elles se rendaient pas disponibles, soit les séances, je sentais que c'était vraiment
très difficile, elle ne suivait pas ensuite les consignes. Donc à ce moment-là, économise ton argent et puis on arrête. On arrête, tu reviendras quand tu seras prêt. Voilà. Voilà. Alors, parce que le coach, c'est juste un vecteur, en fait. C'est juste un vecteur, mais c'est aux gens de. Il accompagne. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le coach, il est. Mais comme un médecin ou comme. On n'est pas des magiciens, en fait. On est juste là pour, voilà, pour accompagner. C'est ça, tout à fait. C'est de lire les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on parle beaucoup de régime pour maigrir. L'inverse, Stéphane, vous en avez rencontré. Alors, je ne comprends pas trop la question. L'inverse. Oui, oui. Prendre du poids. J'ai compris. Ah bon, bah alors, oui. Je laisse. Oui, non, si, si, oui. J'ai eu deux, trois personnes, là, dernièrement, hein, parce que j'en ai eu pas mal sur mon parcours, mais qui veulent prendre du poids, qui n'arrivent pas à grossir. Oui, 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 oui. Et souvent, c'est des gens qui mangent très peu. Ça vient de la nourriture principalement. Ou qui ont une activité physique qui n'est pas adaptée aussi à la prise de poids. Donc oui, oui, il y a une activité. Si on fait trop de cardio, par exemple, ou des efforts trop longs, eh bien, on va pas pouvoir faire du muscle, on va pas pouvoir prendre du muscle ou grossir. Parce que grossir, hein, c'est pas grossir prendre du gras, ça, c'est pas intéressant, mais prendre du muscle, en tout cas du galbe musculaire. Pour avoir plus de forme, mais effectivement, et être en forme, du coup. Ouais. Avoir des meilleures formes et puis avoir, quand on a des muscles toniques, ça veut pas dire des gros muscles, hein, mais des muscles toniques efficaces, on consomme plus notre métabolisme de base, c'est-à-dire notre, lorsque notre corps est au repos, il utilise des calories pour faire fonctionner les organes, la respiration, la digestion, etc. Et ben, plus on est tonique, musclé, galbé, et plus on va consommer de calories au repos. C'est-à-dire que on va pouvoir, comme ça, manger un peu ce qu'on veut et on ne grossira pas ou plus. Et le problème des régimes trop drastiques et des effets yo-yo, etc., c'est qu'on bloque à un moment, on ralentit son métabolisme. Comme le fait de ne pas bouger suffisamment, comme le fait de se ramollir, enfin de perdre de la tonicité musculaire, de perdre du muscle, tout ça ralentit notre métabolisme de base. Et tout ça fait que à long terme, eh ben, on mange le moindre petit chocolat et on prend 2 kilos. Je trouve vraiment intéressant que tu en parles. Tu vois, j'avais vu, je crois que c'est M6, enfin, peu importe, on s'en fiche, c'est sans pub non plus, qui avait parlé de ça. Et, ils avaient présenté 2 personnes. Alors, pour le coup, c'est vrai que c'était un peu dommage parce que c'était un homme et une femme. Alors, on sait qu'on n'a pas tout à fait le même métabolisme. Mais le fond était intéressant, c'est ce que tu viens d'expliquer. Et cette femme ne brûlait que très, très peu de calories au repos quand elle était couchée. Et l'homme, énormément. Donc, effectivement, elle avait beau se priver de tout, bah, voilà, la moindre chose qu'elle mangeait, elle prenait du poids. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, parce que j'entends, alors moi, j'ai du mal avec le mot régime. Après, je comprends qu'on puisse faire des régimes. J'ai même des personnes dans ma famille qui ont été en surpoids et qui ont fait ces fameuses opérations, tu sais, justement pour maigrir, voilà. Voilà, le mot régime, je l'associe à la santé. S'il y a un cas vraiment d'obésité morbide, je peux comprendre. Mais le mot régime, je parle plutôt d'équilibre alimentaire et je trouve que, en fait, on parle souvent des calories, surtout avant l'été. Il faut manger 1000 calories, 500 calories. Mais en fait, vous ne savez pas combien vous, en fait, vous, j'allais dire pas libérer, mais vous, tu l'as dit juste avant. En fait, vous brûlez de calories au repos. Donc, ça n'a aucun état d'être, en fait. Oui, en fait, ce qu'il faut connaître, c'est non seulement le métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'on a besoin pour faire fonctionner notre organisme de façon optimale, mais aussi on rajoute à ça l'activité physique que l'on a. Si on a un métier physique, en fait, il y a différentes formules qu'on trouve sur le net facilement qui calculent le métabolisme de base et à ce métabolisme, on multiplie un coefficient suivant son activité sédentaire, peu actif, très actif, etc. Ça nous donne, mais après, des formules, c'est toujours général. Parce qu'on est tous différents encore. Mais ça donne quand même une bonne base de savoir combien on peut manger. Parce qu'il faut savoir qu'on peut grossir aussi si on ne mange pas assez. Le corps, il va faire des réserves, il va stocker. C'est un peu le problème des régimes trop drastiques. Et je suis comme toi, moi je parle d'équilibre alimentaire. Et l'équilibre alimentaire vient de ça, du nombre de calories dont on a besoin par jour et du nombre de calories que l'on ingère par jour. Et c'est ce ratio qui, s'il est équilibré, nous permettra de garder notre poids tout au long de notre vie. Et s'il est déséquilibré, on va soit grossir, soit maigrir. Et c'est vrai que des personnes en surpoids, voire en obésité, on est obligé de passer par quelque chose d'un peu plus restrictif. Mais en fait, on va adapter le nombre de calories. En fait, ça se calcule par rapport à l'âge, au poids et à la taille d'une personne. Donc, on calculera ça par rapport à son âge et à sa taille, moins son poids. Et on aura comme ça le nombre de calories à peu près. Donc, c'est ça, c'est sûr. Mais si on a un bon équilibre alimentaire, qu'on est à peu près dans le bon nombre de calories, et c'est variable, hein,
On n'est pas obligé d'être toujours très très précis. Ça peut varier de 200 à 200 calories sur une journée. C'est pas très grave. On va brûler ça avec le sport, l'activité physique. On y revient encore. Mais en fait, oui, c'est ce qu'il faut connaître à la base. J'ai envie de dire, c'est la base. Tu as complètement raison. C'est vrai que le sport, le fait de bouger, parce que l'homme était fait pour bouger avant, l'homme avec un grand H, hein, les femmes, donc c'est la base, avec ne serait-ce que marcher, etc., avec une bonne alimentation. Après, on pourrait même aller plus loin, on pourrait parler même de stress, de plein de choses, de facteurs, passer la quarantaine pour les femmes qui sont en ménopause, enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, la cinquantaine, ça dépend de l'âge, effectivement, mais c'est plein de choses, plein de facteurs, mais la base, la grande base, hein, sans prendre tous les paramètres autour, ça reste quand même l'alimentation de base, éviter le stress et le sport. Oui, bien sûr. Mais le sport est aussi un très bon régulateur hormonal. Il faut savoir que ça, voilà, ça régule énormément les hormones, notamment tout ce qui est les hormones du sommeil, les hormones du bien-être, mais aussi les hormones, les organes, etc. Donc tout le sport, ça rentre là-dedans, l'alimentation évidemment. Attends, j'avais un autre point que j'ai oublié. Ah mince. On va retrouver. Oui. Vous posez des questions en attendant si Stéphane, justement, veut encore partager quelques. Oui. On parlait du poids. Oui. La grosse erreur aussi, c'est de se peser, c'est de se peser sur une balance qui ne va pas. En fait, ce qu'il faudrait calculer, avoir des balances qui calculent notre masse graisseuse et notre masse musculaire. Et c'est bon. Voilà, et c'est ce qu'on ne fait pas, ce que nos balances ne font pas. C'est d'ailleurs pas très très précis, même si on a des balances qu'on appelle des balances qui mesurent ce degré, parce qu'elles vont mesurer que jusqu'à la taille, en fait. Si on est les pieds nus sur la balance, ça va mesurer que la graisse dans les jambes. Et c'est ça qu'il faudrait connaître, et ça se fait auprès de son médecin, hein, qui va mesurer le pourcentage de masse graisseuse et le pourcentage de masse musculaire, parce que il y a des gens qui peuvent paraître en embonpoint. Moi, par exemple, quand j'étais militaire, je faisais 94 kilos de muscles, mais je mesure qu'à 1,77 m, tu vois. Donc, à chaque fois que je passais à la médecine militaire, on me traitait d'obèse. Et après, après, on se rendait compte que c'était musculaire. Donc, le poids n'est vraiment pas le muscle est un plus critère lourd. Voilà, c'est vraiment pas un critère pour savoir si on est en surpoids ou pas. Voilà. Et donc, se peser, c'est très peu intéressant de se peser chez soi. Et puisque tu parles justement, le médecin, on peut peut-être dire par quel examen le médecin peut le faire, justement, déterminer cette masse musculaire et graisseuse. Ils ont des, alors pas tous les médecins, mais ils peuvent envoyer dans un centre où ils ont des balances qui vont mesurer je crois que c'est par des ondes en fait, qui calculent, qui rebondissent sur les os, qui traversent ou non le muscle, qui vont traverser la graisse et qui vont calculer sur l'ensemble du corps le taux de masse graisseuse. D'accord. Après, on peut le faire aussi avec des pinces. Moi, j'ai une pince qui permet de pincer certains plis cutanés. Il y a un tableau qui nous permet de calculer à quel niveau se situe la personne de masse graisseuse, et on voit si c'est en surpoids normal ou en obésité. Mais c'est intéressant parce que, alors d'ailleurs, souvent les schémas, je reprends américains, mais c'est vrai parce qu'ils sont très, voilà, sur le film. Voilà. Et on voit souvent trois photos, vous avez dû en voir passer sur Insta, toi aussi. On voit une jeune, alors je vais prendre le cas d'une femme, on va voir une jeune femme en surpoids qui veut perdre du poids, elle fait tout le training, le fitness. On la voit quelques mois après qui a beaucoup maigri finalement, mais elle a perdu aussi du muscle, elle a perdu un petit peu de muscle, et après on la voit après, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent les trois poids. Le premier, elle a un poids, admettons, je sais pas, de 80 kilos, après elle va peser 60 kilos, et après elle en fait 70. Et donc, ça montre bien que, ben oui, elle est plus galbée, elle est plus en forme, elle est plus musclée, mais elle pèse plus lourd. C'est normal. Oui, c'est ça. Oui, et oui, mais après, il y a aussi une. Par exemple, quand je faisais 94 kilos, j'étais bien trop lourd pour mon squelette. Tu vois, il y a aussi cette dimension-là. Il faut un poids physiologique. Et ça, c'est pareil. C'est pas très très facile à déterminer. C'est suivant vraiment chacun. Mais oui, après, si on est trop lourd musculairement, même si on est tout en muscle, on va abîmer également ses articulations parce qu'il faut porter la charge tous les jours. Mais on a tous un poids. Ça devient compliqué là, parce que comment tu veux enlever, si tu es musclé naturellement, que tu fais des disciplines sportives, comment tu veux réduire la masse musculaire? Tu fais beaucoup de cardio, moins de renforcement musculaire, tu vas faire plus de des marathons, etc. Mais alors si tu es en surpoids musculaire, il faut éviter également. Mais le cardio sans renforcement musculaire particulier,
va te faire maigrir et puis réduire aussi, bah, par exemple, l'apport en protéines. D'accord. En protéines animales, tu vas perdre un peu plus de muscle. En fait, le corps, disons que le corps, s'il a plus de graisse non plus à consommer, mais si tu lui demandes des efforts longs, il va aller chercher l'énergie plus dans les graisses, plus dans les sucres, mais dans le muscle. C'est pour ça que les marathoniens ou toutes les disciplines, les longues disciplines d'efforts sont tous voilà, très secs. Voilà, très secs, alors qu'un sprinter va être plutôt plus massif et plus puissant, parce que l'effort est court. Il y a en fait tout est possible suivant l'effort que l'on met en place pour son corps. Et le corps va se transformer suivant l'effort qu'on lui demande de faire. Oui, voilà. Puis ça dépend à quelle étape on est, ce qu'on veut faire. Mais effectivement, c'est intéressant parce qu'on peut aller très loin, ça peut devenir très pointu. D'ailleurs, j'ai envie de dire, comme dans l'alimentation, au début, on mange une alimentation équilibrée, on peut être accompagné, et après, on peut aller vers la micronutrition où là, ça devient de plus en plus complexe. Qu'est-ce qu'on doit manger avant les fruits, avant les légumes? Enfin voilà, après, on peut aller très loin. Mais en tous les cas, pour les personnes, ce qu'on peut dire, parce que ça peut effrayer, de dire, oh, voilà, on ne lâche pas. On peut commencer de façon, avec toi, très simple. Voilà, avec un objectif et après avancer Ce qu'il faut savoir, et ce que j'essaye de faire moi, quand j'accompagne les gens, c'est que ce soit le plus naturel possible pour que ce soit tenable dans le temps. Si c'est des choses qui transforment trop ton quotidien, dans le temps, à un moment, tu vas lâcher. Il faut que ça reste naturel. Bien sûr, on ne peut pas rester. Si on veut, comme je dis toujours, si on prend toujours le même chemin, on arrive toujours au même endroit. Mais si on veut bifurquer et arriver ailleurs, il faut faire des changements. Mais il faut que ça reste facile à faire et naturel, agréable. Voilà, agréable. Mais dans le sport, les gens sont souvent surpris de. Là, j'ai eu une dame dernièrement, ça fait 2 ans, j'ai réussi, elle a perdu 20 kilos, elle n'avait jamais été mince, etc., à plus de 50 ans, tu vois. Et le premier rendez-vous, elle me disait, mais de toute façon, jamais j'aimerais le sport. Ça va être difficile pour toi, Stéphane, parce que j'aimerais jamais le sport. Je ne sais pas ce que c'est que prendre du plaisir dans le sport. Eh bien, cette dame, maintenant, elle fait du sport presque tous les jours chez elle. Elle vient à cette séance depuis 2 ans. Elle ne raterait aucune séance de coaching et elle adore se sentir en forme grâce au sport. Oui, parce qu'on se sent bien. C'est ça qu'il faut comprendre. On libère certaines hormones et on se sent bien, en fait. Voilà. Mais il faut commencer doucement. Il faut commencer doucement. Il faut prendre soin de soi. Il faut être son meilleur ami quand on commence le sport ou quand on commence à rééquilibrer son alimentation. Et progressivement, eh ben, on va demander de plus en plus à son corps. Mais on n'est pas obligé d'être dans la douleur, dans l'effort physique. Ouais, c'est pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire. Il faut, faut prendre soin. Alors, il y a encore une question. Bonsoir Camille et à ceux qui sont arrivés. Est-ce que ça s'appelle, je pense que c'est par rapport à ce qu'on évoquait avant, ceci sécher le muscle. Je pense que c'est quand tu as parlé de courir, etc., à mon avis. Oui, sécher, en fait, c'est un terme qui vient du bodybuilding. C'est quand on veut enlever non seulement la graisse, mais aussi toute l'eau sous la peau pour qu'on voit les fibres musculaires et les dessins. Donc, le terme sécher, il est galvaudé, en fait, mais il n'y a pas d'intérêt pour la personne lambda. En fait, c'est mincir, quoi. Mincir et galber, voilà, c'est les deux termes. Sécher, c'est une étape supérieure quand on veut vraiment vider complètement tout ce qu'on a sous la peau pour qu'il n'y ait plus que la peau et le muscle. Ah oui. Et ça, c'est ce que font les bodybuilders et c'est un travail particulier qui, sur le long terme, n'est pas très bon pour la santé, non. Qui est fatigant, usant. Je suppose qu'il faut vraiment continuer toute la vie. Parce qu'après, si on arrête, c'est un peu… Non, mais sécher, en fait, c'est des phases particulières d'avant-compète. C'est-à-dire qu'ils prennent un peu de poids hors saison de compétition. Et quand les compètes arrivent, là, pendant plusieurs mois, ils vont avoir un régime drastique. Et les 3 jours avant la compète, par exemple, ils peuvent prendre des diurétiques, ils peuvent arrêter de boire. Ah oui. Vraiment, pour sécher complètement le corps. Donc, c'est des choses… la sèche, c'est quelque chose de très particulier, qui est fatigant, qui est nerveusement difficile, qui est inflammant aussi si on le fait trop longtemps et trop souvent dans sa vie. C'est pour ça que c'est des athlètes qui arrêtent quand ils restent naturels, parce qu'après, il y a tous les produits dopants. Et ça, c'est vraiment révoltant. Mais enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand ils sont naturels, ils ne peuvent pas faire ces sèches-là sur le long terme. Donc, la sèche, c'est particulier. Mais la perte de poids, ça n'a rien à voir avec la sèche, quoi. C'est juste perdre du poids, mincir, c'est perdre le gras que l'on a en trop. Mais attention, il en faut un petit peu de gras. C'est important. Il faut du bon gras. Oui.
Voilà, c'est ça. C'est important parce que ça, voilà, ça permet de gérer aussi le système hormonal, ça permet de gérer pas mal de Je pense choses, que c'est le toujours cerveau. un équilibre. Tu parlais de holistique au début de ce live. C'est toujours un équilibre en toutes choses, en fait. Dès que ça part dans Oui. des extrêmes, mais même le sport, hein, le sport, c'est génial, mais quand Tout ça à part fait. dans des extrêmes, il y a des dangers. On le voit. Donc, Mais c'est la bien même sûr. chose. C'est vraiment un équilibre en toutes choses, le mieux adapté à chacun, en fait, à chaque personne. Oui, c'est ça, son ressenti, c'est ça. Mais tu as raison, hein, le sport en excès, on le voit bien chez les athlètes de haut niveau, de toute façon. À un moment donné, il y a soit la blessure, c'est pour ça qu'ils ont des carrières courtes aussi, et pourtant, ils ont un staff qui les entoure. Donc, nous, en tant que non-athlètes, si voilà, il faut pas s'entraîner trop dur tout le temps, tous les jours, il y a des phases de repos, il faut adapter l'effort, etc., etc. On n'est pas en compétition permanente. On est là pour faire. Enfin, moi, maintenant, je prône plus ça, le sport santé, que le sport Ouais, c'est vraiment compétition ou le sport. bien le sport santé, c'est vraiment très très important. Ouais. C'est ça. Et on peut quand même faire des séances hyper intensives en sport santé quand on a un bon niveau sportif ou quand on a, avec l'évolution, voilà, obtenu ce bon niveau sportif. Donc, Donc, ce que oui. j'ai envie de dire, quand tu as un bon niveau et que ça suit, bah, tu t'éclates aussi pendant une séance. Voilà. On C'est le voit ça. à certaines séances que tu fais, qu'elles sont toutes différentes. Donc mais effectivement, le sport santé, c'est le. Voilà. Et Oui. le sport santé, ce n'est pas que quand on a des problèmes de santé, c'est avant. C'est ça, c'est ce qu'il faut, voilà, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est la prévention, prévenir avant, au lieu de guérir, c'est sûr. Et le sport entre complètement là-dedans. Bouger tous les jours pour rester en forme, c'est sûr. Enfin, tous les jours, ou en tout cas, Oui, plusieurs c'est jours par possible. semaine. Ouais. Mais en tous les cas, tu le fais très bien. Et moi, je suis ravie voilà, que nos chemins se soient croisés sur TikTok et d'avoir repris les séances. Voilà, je suis ravie de partager ton travail, ce que tu fais. Je ne sais pas si tu voulais partager autre chose sur le live. Si vous avez des Non, moi questions, n'hésitez pas. il y a des questions. Après, je vais partager ce live rapidement sur Instagram et je reviendrai mettre la description avant que Instagram, parce que les technologies, c'est parfois très bizarre. Ça m'est arrivé d'avoir fait un long live une fois avec un spécialiste et le live a disparu. Et ensuite, je le Non. mettrai sur YouTube. Ah oui, c'est horrible. Bon, alors, est-ce qu'on a. Là, c'était dans l'alimentation, c'était un chercheur. Est-ce qu'il y avait eu des mots de dit qui avaient été bloqués? On ne sait pas. Voilà. Mais des fois, ça arrive, Pas la hein. Sur liberté dans tous les TikTok. domaines, on le sait. Donc voilà. Mais voilà, en tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane, parce que je sais qu'il y a des personnes de chez toi et bienvenue, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à aller voir son site. Donc c'est www, mais je vais le remettre en dessous, et YouTube, puis je partagerai d'autres choses, .uniqueforme.fr, c'est ça? Tiré du 6. Alors c'est www.unique-forme.fr. Mais je le remettrai, je vais partager dessus Ouais. sur le compte et en story. Allez voir aussi si vous voulez, il y a plein de vidéos sur Instagram et abonnez-vous à son compte Instagram, TikTok aussi. Et puis il y a YouTube aussi. En fait, c'est plein de petites capsules, c'est pas difficile à regarder, c'est pas long, même si vous n'avez pas le temps, parce que souvent c'est un manque de temps. Et voilà, il y a des choses YouTube, sur les plantes, sur le voilà. sport. YouTube, si ça vous intéresse, j'ai fait des programmes vidéo complets sur 7 semaines, 4 semaines, etc. à la maison sans matériel, c'est gratuit. Et là, vous pouvez, si vous voulez reprendre le sport avec des options, des petites fenêtres avec options faciles, Ah options oui, difficiles, c'est YouTube, c'est vraiment vraiment. généreux parce que quand même, il y a beaucoup de gratuits aussi et quand même tout le monde a Oui. besoin de bosser. Parce que c'est comme ça, on a pas. Si on pouvait s'échanger des cailloux et des fruits et légumes, ce serait plus simple, mais le monde n'est pas fait Ouais, pour ça. troquer le Donc savoir, c'est ça quand serait même bien, troquer de la connaissance. Ça serait bien. Mais ouais. un excellent Non, coach. Bah, j'en doute pas. Hein. En tous les cas, moi j'apprécie. Merci merci, c'est Stéphane pour tout gentil. ce que tu partages. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup de partage. Et voilà, je pense qu'il y a le mérite aussi que tu reçoives voilà, par rapport à ce que tu partages. C'est comme ça dans l'univers, on le sait. Donc moi, j'étais ravie de ce live. C'est vraiment un plaisir. Je le partage. Je te fais un petit message aussi juste derrière le live. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour Ben, peut-être un merci prochain beaucoup. live. Belle C'était un soirée grand à plaisir. tous. Prenez bien soin de vous. Et puis à très vite. Ben, merci. À très vite. Se couper. Alors, annuler pour Oui. partager. J'essaie de le partager parce que je ne veux pas faire d'erreur parce que c'est Et tellement catastrophique. moi, je coupe ou. Alors, partager le live.